to the battle arena and recognize our Spring Split champions, ladies and gentlemen, TSM! Côté de Price Talker, le flash, le gap pour l'instant Price Talker, les dégâts sont énormes de la part de Blanc. Et tout de suite, les G2 qui suivent leur millénaire remplaçant Sven qui distribue des tartes colossales. Pesty va tenter de venger ses coéquipiers, mais c'est un triple kill en faveur de Loulex et un ace pour conclure G2 qui remporte ce BO3 sur un quadra kill de Jean Passing God Burgevin. Ce soir, Cloud9 évidemment qui est resté sur la même équipe que ce qu'ils avaient en Spring Split. Donc les mêmes joueurs évidemment, des joueurs toujours très très compétents qui... Pourquoi tu zoomes avec tes yeux? C'est horrible, c'est très perturbant Ellie. Je te vois. Ok. Bon, ça peut être dommage. La glu qui arrive ici, Darshan pourrait être en danger. Il faut bouger absolument sur le bot side de map. Du côté des Team Liquid, Darshan qui prend ce charme, qui tank autant que possible. La fatigue de la part de Golden Glue qui a pris la grenade tour. Oh là là, Darshan qui t'empoche. Darshan, il est en vie encore. Darshan, attention, Darshan qui prend le kill ici. Et on revoit cette action. Et c'est immortel, Galio. Et surtout l'arrivée de Profit. Alors, Profit, on le sent un peu stressé tout de même. Le recto qui part. Le recto qui arrive, c'est terrible pour Jay-Z. Par contre le dive, regarde le dive peut-être de la part de Dardosh maintenant au niveau de cette botte. Mais regardez le route qui est passé instantanément. Dommage, y'a pas d'agro, la dernière balle, peut-être Piglet qui temporise énormément. Le flash kill et un kill supplémentaire pour le carry de la team Liquid. Attends, c'est pas fini Ellie, Ellie c'est pas fini, c'est facile à récupérer. Regardez Matt qui prend la pour de Dusk en tête, c'est un 3-0 pour le carry de la team Liquid. Qui prend la pour de Dusk en tête, c'est un 3-0. Vitality contre Unicorns of Love. Vitality avec un nouveau support et un nouveau coach. Vendeur, le fameux, le bon vendeur. Et vendeur Yamato de Canon, rêve. Qui sont arrivés du coup. Tu peux enlever cette caméra, c'est... Un homme est mort publiquement ce soir. Qui va être activé, on part sur un dive. Est-ce que c'est pas très ambitieux ça Nono, le grand duel qui est claqué? C'est un over qui tank pour le moment, l'Ourlo qui va réussir à trouver le DPS. On a un flash disponible, du côté de Darshan. Regardez l'ultimate de Afrobo qui est parfait. Il sera quand même intercepté, pas l'Ourlo, mais il protège un top laner. Le shaker, Afrobo, le seigneur du bard ici qui sort de nulle part, qui sauve son mate et qui crucifie. Le ralenti, 1000 HP, 1002. What? Sunday, Sunday sur le fond droit, la queue sur la rose, c'est parfait. Sunday qui doit se replacer, la QSS, Sunday qui flash out in extremis, on va Sunday qui retourne justement sur Moon. Pour l'instant c'est le Shutdown Land qui va venir mettre un DPS absolument colossal sur les joueurs d'Unity, sur les joueurs FlyQuest. Il ne reste que Lemonation, il peut bien partir dans les airs, peu importe où il sera mort. Triple kill pour l'ADC, je crois, double kill pour Sunday. Le compte est bon. Il tente avec ses collègues et aussi le creep block qui a été fait par les spiders de Yenkos. Ouais. Attends, il y a double flash là encore.